Juste en 2 minutes, le dernier sujet de FESFACO. Ok. J'apprécie la pertinence de Younoussa et surtout la passion qui accompagne son argumentaire. C'est vrai. Au fait, si vous voyez, peut-être que je suis un incompris, mais je l'assume. La différence entre vous et moi, c'est que moi je dis que finalement, le paradigme contestataire qui consiste à imposer une vision du monde où pour expliquer le malheur des dominés par l'existence des dominants ne nous fait pas avancer dans le débat pour la libération. Au fait, la liberté, pour se libérer, on n'a pas besoin de dénoncer. Pour se libérer, on a besoin d'arrêter d'obéir. Ça fait des décennies que nous dénonçons ici et ailleurs l'oppression des oppresseurs. Ça ne rend ni hommage au combat, ni service aux Africains. Il est important, moi c'est le sens de mon discours, il est important qu'à un moment donné, que nous mettions en tête que nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir été colonisés. Qu'il y a des gens qui ont subi la même histoire que nous, qui ont pu s'en sortir. Paul Kagame n'est pas resté à pleurnicher sur son sort. En 1960, la Chine de Mao Zedong avait le même niveau économique que plusieurs pays africains. Aujourd'hui, la Chine, c'est la première puissance du monde. Elle n'est pas restée là à pleurnicher pendant des décennies. L'Algérie a connu combien d'années de guerre avec la France. Aujourd'hui, selon les statistiques qui datent de février 2021, l'Algérie est la deuxième puissance militaire en Afrique après l'Égypte. Ils ne sont pas restés là à pleurnicher sur leur sort. En vérité, pour moi, le discours que je pense être le meilleur aujourd'hui, c'est à un moment donné de se dire qu'il est important que nous-mêmes nous changions de paradigme. Parce que s'il s'agit de pleurnicher, nous avons pleurniché. Il n'y a pas eu de résultat. Et je suis tellement choqué d'entendre que c'est le président Macron qui doit venir soutenir la démocratie en Afrique. Je veux verser des larmes. La démocratie a existé en Afrique avant la France, avant l'Europe. La charte de Kourouf-Kanfouga, elle date de 1236. Je ne parle pas de la France. Je parle de l'Europe. À l'époque, on ne parlait pas de démocratie ni en France ni en Europe. C'était des seigneurs. C'était la jungle. C'est-à-dire leur vie, ils devaient se battre pour leur propre survie. Et c'est Macron qui va venir aujourd'hui dire aux Africains, je vais injecter 30 millions pour soutenir la démocratie en Afrique. C'est l'hôpital qui se moque de la charité finalement. La démocratie, elle a existé en Afrique avant la France, avant l'Europe. Et je vous rappelle, il y a eu la démocratie dans l'empire du Massina, avec comme capitale Amdalaï. C'était un régime théocratique, mais la démocratie l'a emporté. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocratie électoraliste. Et ça ne marche pas parce que les Africains ont décidé de ne pas prendre leur destin en main. Ce n'est pas de la France. Mmh. On a décidé de ne pas prendre notre destin en main. Tout à fait. Et il ne peut pas y avoir de liberté ni de libération aussi longtemps que nous resterons les bras croisés à accepter l'inacceptable.